Aujourd'hui, je vous emmène dans mon dressing. Moi, c'est Doug E.T. En célébrité closette. Bienvenue à l'équipe de Fashion Africa TV. Je suis Vanessa Yapi, Miss Nzasa Afrique 2021. Entrez. Oh, ma couronne. Ma fierté. C'est bon? Vous me trouvez belle avec? Moi, je me sens bien avec. Voilà, je vais vous présenter mon dressing. Suivez-moi. Concernant mon dressing, je vais commencer par les sacs. Ce que j'adore bien, voilà. Il y a ce sac qui vient directement de Tuki. C'est un cadeau qui m'a vraiment touchée. Voilà, donc c'est un cadeau que j'adore beaucoup. C'est un sac vraiment très pratique pour tout ce qui est soirée, les petites sorties entre amis, tout et tout. Voilà, j'adore. Et étant donné que je suis Miss Nzasa Afrique, il y a toujours une petite touche personnelle dans tout ce que je porte. Vous pouviez le constater déjà par ce sac. Voilà, un sac qui a été fabriqué ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez le palme, c'est typiquement africain. J'adore grave, ça met plus la culture africaine en valeur. Il y a aussi ce petit sac rose que j'aime bien. Le rose, on sait déjà que c'est la couleur des femmes, donc c'est normal que dans mon dressing, il y ait au moins une petite touche rose. Voilà, j'adore. Et il y a aussi ce sac que je transforme souvent en pochette parce que je peux retirer la coque qui est là et je la transforme en pochette que j'adore bien, qui porte le V, et vu que je m'appelle Vanessa, voilà. Il y a aussi ce sac que j'adore aussi, voilà, qui est un rose pâle que j'aime bien. Voilà, il a petite touche ici, noir blanc, j'adore aussi. J'aime beaucoup les sacs. Il y a aussi ce petit sac qui fait genre très tendance, très chic, très jeune fille pour aller à la plage, les petites sorties au resto entre amis, tout ça, voilà. Ça se porte très aisément, j'adore. Et il y a aussi ce gros sac qui est derrière, je ne sais pas si vous pouviez faire un grand plan, que j'aime beaucoup, qui vient directement du Burkina. Et il y a ce sac qui a été confectionné au Burkina, qui a été offert par Bailin Collection, que j'aime bien. Vous voyez ces touches de rayures de différentes couleurs, ça fait très chic, très tendance. Voilà, et puis il faut dire que pour les voyages, c'est très pratique. Voilà, je tiens à vous informer, sinon à dire qu'une femme normale, c'est celle quand elle sort, elle est bien habillée, elle est chic, elle est élégante, elle a son petit sac, mais il faut une touche très très féminine. Passons maintenant au talon. Pour moi, une femme chic, élégante, sensuelle, doit être en hauteur, voilà. Donc pour moi, une femme doit porter des talons, que ce soit aiguë, que ce soit des compensés, mais le fait d'être en hauteur déjà, ça te donne une allure et ça te donne un genre très chic, très glamour, très tendance, voilà. La preuve en est que je suis à la maison, mais j'ai porté déjà des demi-talons, voilà, parce que pour moi, la femme doit toujours être en hauteur, toujours chic, toujours bien. Donc je vais commencer par cette chaussure qui vient de LHT La Hauteur, voilà, ce sont des escarpins vernis. Ce sont des chaussures qui sont le plus souvent portées pour des cérémonies, voilà, les castings. Étant donné que je suis mannequin professionnel, voilà, je m'intéresse beaucoup aux talons. Je fais beaucoup attention aux centimètres. Voilà. Donc voilà, j'aime bien cette chaussure. On peut la porter partout. Anniversaire, mariage, baptême, sortie, dîner, soirée. Très très intéressant, ça fait très chic. Et cette chaussure que j'affectionne beaucoup. Vous voyez ce genre de fleurs qui est autour là, ça donne un genre Hawaï, très chic, très glamour. C'est une chaussure qui m'a été offerte par ma meilleure amie qui revenait de voyage, voilà, que j'adore beaucoup. J'aime beaucoup les centimètres, c'est très mince, très fin, ça fait très chic. J'aime beaucoup aussi la couleur bleu nu, beaucoup, parce qu'après l'orange, la couleur que je préfère, c'est le bleu. Voilà, donc j'aime beaucoup, c'est un peu compensé, j'adore. J'emmène ça partout, je suis très relaxée là-dedans. Et il y a aussi ces escarpins rose pâle que j'adore beaucoup. C'est assorti avec une robe que je vais vous présenter plus tard. Voilà, donc j'aime beaucoup aussi les escarpins Zara. J'aime beaucoup, j'adore. Il y a une autre chaussure un peu plus simple, ouverte par ici mais fermée par là.
Voilà, ça c'est quand j'ai pas envie de vraiment porter des chaussures un peu trop, je vais dans un endroit un peu que je maîtrise pas trop, voilà, donc je portais des escarpins de petits centimètres que je mets ça. Et j'adore le rouge qui est accompagné du marron avec les petits trucs en doré, c'est bien chic. J'aime bien aussi. Passons maintenant aux bottes. Voici une chaussure qui me vient directement de Paris. Voilà. Ça m'a été offert par mon oncle qui revenait de là-bas et qui m'a apporté ça. Il a dit que comme j'aime beaucoup les talons, il allait m'envoyer un truc qui allait avec ma peau. Étant donné que je suis claire, il a choisi le marron, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est très propice sur les pantalons, les petites culottes. Ça fait très chic, très tendance. Voilà. Donc, c'est ma chaussure qui vient de Paris. Je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a cette chaussure qui fait un petit Timberland, mais qui est très féminin. À cause du talon qui est bas et le caoutchouc qui est ici qui attrape bien les pieds, donc ça donne une forme très chic quand tu la portes. C'est toujours sur les pantalons, sur les petites culottes pour mieux valoriser la chaussure. Voilà, donc voici une chaussure aussi que j'aime bien qui m'est venue tout droit du Canada de la part d'un tonton. Voilà, donc je dis déjà merci au passage et sache que j'adore beaucoup cette chaussure, je la porte très aisément. Voilà. Très chic avec les petites culottes bien, voilà quoi, ça donne un genre très classe. Après ça donne un genre rock and roll quand tu te mets dans une culotte, une petite culotte blanche et au noir, des cheveux un peu afro et tu mets cette chaussure très tendance, c'est vraiment chic avec des bracelets un peu noir, tout et tout, tout ça. Voilà donc. Et il y a aussi celle-là. Celle-là que j'aime bien à cause des petites étoiles qui sont dessus. Ça fait très, très, très mannequin américain, tout ça, c'est trop chic, voilà. Et le bout transparent, tout ça. Donc, j'aime bien aussi. C'est bien, c'est toujours... Moi, j'adore porter les chaussures un peu comme ça sur les culottes pour mieux faire valoir la chaussure, voilà. J'aime quand je porte une petite culotte et la chaussure parle, comme on le dit dans nos jargons. C'est-à-dire que de loin, on sent que la chaussure parle, voilà. Donc, voilà, j'aime bien cette chaussure aussi. Voilà, un peu en ce qui concerne les chaussures. Passons maintenant à ma partie préférée, c'est-à-dire les robes de soirée. Voilà, nous sommes à la partie que je préfère la plus. Voilà, c'est-à-dire les robes de soirée. Voilà, normalement, quand on dit soirée, c'est tout ce qui est bling-bling, tout ce qui est tendance, tout ce qui est glamour, tout ce qui est chic. Parce que dans les soirées, c'est tout le temps bon, on s'amuse bien, on cause, on parle d'affaires. Donc, en ce qui concerne mes tenues de soirée, j'en ai des courtes comme des très longues. Je vais commencer par cette longue robe, voilà, qui est venue directement de Maroc. Voilà, j'adore. J'aime bien les touches noires sur le côté en velours avec les petits trucs dorés, jaune or qui scintillent. Ça fait genre bling bling, ça donne un genre chic, voilà. Et puis les côtés qui sont pliés et tout ça. Donc ça, je la mets dans les soirées. Les soirées très chic, très tendance, voilà, les petits dîners et autres, tout ça. Voilà, ça fait vraiment beau. Vous allez remarquer que mes habits sont très petits parce que je suis un tout petit modèle, voilà. Donc, voilà ce que j'ai à dire concernant cette robe que j'aime bien. Je sais qu'un de ces jours, vous me verrez dans cette robe. Ensuite, il y a cette robe. Attention. Il y a celle-là. Rouge, c'est la couleur de la séduction, elle scintille, elle est très chic, très longue, que j'adore bien. Voilà, quand je mets cette robe, je me sens femme, je dis que je me sens femme, je me sens vraiment bien. J'aime le tissu qui n'est pas un tissu de passe-partout, excusez-moi pour le terme, mais quand c'est ça, il faut le dire. Regardez le tissu, il est bien, il est très pratique, il est bling bling. Des petits trucs qui scintillent là-dedans, j'espère que vous voyez bien. Donc, quand je porte ce truc-là, je me sens tellement bien. Avec des petits escarpins noirs, voilà, un petit make-up léger, je me sens vraiment bien. Nous sommes toujours avec les longues robes. Il y a celle-là. Comme très chère Army m'a offert à la veille de mon anniversaire. Voilà. Pour ma copie de gâteau. Qui vient directement de Turquie, voilà, c'est un peu sexy, pas devant,
pas derrière pareil, voilà. J'aime ces petites touches de je sais pas si je dois dire strass, et ces trucs de dentelle, tout et tout, elle est très pratique. Je me sens bien quand je porte cette robe. C'est vraiment bien, voilà. Et c'est une très longue robe, vous pouviez constater. J'aime beaucoup la déco. Et étant donné qu'après l'orange, c'est le bleu qui est ma couleur, il a choisi une très belle couleur qui m'a vraiment fait fondre. Voilà. J'avais dit auparavant qu'il y avait une chaussure rose pâle qui était assortie avec une robe. J'adore porter, comme cette couleur elle frappe, j'aime mettre du rose pâle, un sac rose pâle, voilà, pour donner un genre, pour atténuer un peu la couleur. Voilà. Donc c'est une robe que j'adore grave, qui me vient de Turquie. Ça a été offert aussi par un ami. J'aime bien le fait que derrière soit comme ça, plié, ça donne un genre. Et il y a une grande couverture derrière. Du coup, j'ai le dos qui est dehors, mais j'ai tout le reste du corps qui est couvert. Voilà. Et c'est une robe que j'aime bien, j'aime bien. Je vais passer à mes préférés. Donc, depuis là, j'ai que des préférés. Les pagnes. Étant donné que je suis Miss USA Afrique, va falloir que je présente les tenues en pagne que j'ai. J'en ai plein en tout cas. Là, c'est une tenue. Une longue robe en pagne, comme vous pouvez le constater. C'est un tissu qui glace le cœur de tous les Africains. Un tissu, quand tu le portes, maman est fière. Les grandes-mères, les grands-pères, ils sont fiers parce que ça, c'est le tissu de chez nous. Voilà, c'est un coton, un tissu vraiment très agréable. Et il y a des petites décorations pour donner un genre chic, tout ça. C'est juste des petites touches, ça. C'est juste des petites touches modernes, mais en vrai, le thème Afrique reste toujours dans ce paille. Et à chaque fois que je le mets, je suis très fière d'être africaine. Très, très fière de porter cette couronne. Voilà. Donc regardez bien, admirez les touches Nzassa d'ailleurs. Parce qu'il y a plusieurs couleurs, tout ça. Ça, c'est l'Afrique. Et bien voilà que je vous ai présenté mon dressing. J'espère bien qu'il y a certaines choses qui vous ont plu. Les talons, les chaussures, les sacs et autres, tout ça. Et suivez-moi sur Miss Nzassa Afrique. Vous verrez que j'ai d'autres styles. Bisous! Aujourd'hui, je vous emmène dans mon dressing. Moi, c'est Dougiti. Célébrité Closette.